On y est, et évidemment, c'est une affiche qui fait rêver tous les amateurs de foot. Un match dont on parle depuis un moment déjà. Restez avec nous, ça démarre tout de suite. Qui va sortir gagnant de ce duel? On va voir ça tout de suite. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de nous retrouver ici pour cette rencontre et c'est encore plus excitant de commenter dans un lieu aussi emblématique qu'Anfield. Au micro pour vous, Omar et Benji, la team d'Ada qui vous fait vivre les plus grandes aventures du foot anglais au début de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue, Liverpool contre Nottingham Forest. Allez, sans côté pour rappeler le danger. Attention la frappe. Et oui, but! Déjà 1-0, ça part très fort, tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute, le match est lancé, il va falloir réagir. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Luis Diaz reçoit le ballon, oui, le tir, et oui, le bon réflexe. Ça joue sur Robertson et le gardien s'illustre bien. Aïe, la mauvaise passe s'est rendue directement. Et ça joue sur Cody Gakpo et ça peut être dangereux. Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et la passe vers Luis Diaz. Et c'est une frappe. Et le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. C'est contré, mais ça va revenir. Salah. Et voilà, tout est relancé. Égalisation de Liverpool. Le petit coup des brosses sur le ballon. Ça lui donne une trajectoire d'arc-en-ciel avec toutes les couleurs. McAllister, un face-à-face à négocier. Et but, c'est au fond. Un nouveau but qui terrasse l'adversaire. Domination totale. Quel beau match. Ce n'est pas vraiment du 1 contre 1. C'est plutôt une frappe imparable. Une frappe chirurgicale. Ça joue avec Salah. Attention, voilà un bon duel. Et voilà, Liverpool qui creuse l'écart. Deux buts d'avance pour les Reds. La pression défensive a parfaitement été neutralisée. Il l'a même aidé, je crois, à s'orienter et marquer. Grande! Salah qui avance. Ah, la bonne frappe. Frappe non cadrée. Luis Diaz. Ah, il est passé sur ce bon geste. Dommage, c'est manqué. Le bonheur des Reds s'est donc terminé avec une victoire pour Liverpool. Oui, très bon match. Leurs deux buts d'écart sont la récompense du travail réalisé dans la semaine. Ah, Mohamed Salah, c'est simple, c'est le foot à l'état pur. Quel match il nous a sorti. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.